Alors, actuellement, circule beaucoup d'acharnement contre Gilles Favard. Alors, vous êtes membre de l'équipe du soir. Alors, beaucoup de supporters s'acharnent sur lui, y compris des Lyonnais, beaucoup de Lyonnais d'ailleurs. Est-ce que vous confirmez que Gilles Favard a adressé des propos dit-on homophobe à Olivier Rioux et que ça explique d'ailleurs votre absence sur le plateau de l'équipe du soir ces derniers jours? Eh ben, dis-moi, je te jette la patate chaude, Olivier. Débrouille-toi. Pas de souci. Je vais être clair là-dessus. Alors, en ce qui concerne, je vais commencer par Gilles, que j'apprécie énormément. Moi, je peux vous le dire, je ne l'ai jamais entendu tenir des propos homophobes. Nous sommes très amis. J'ai beaucoup de respect. Il a beaucoup de respect pour moi. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé avec Johan Rioux. Ça, je ne peux pas en parler. J'en sais rien et j'en parlerai pas. Et je terminerai là-dessus en vous disant que si je ne suis pas à l'équipe TV à l'heure actuelle, c'est parce que je n'irai qu'à partir du 20 août. Voilà. Pour moi, il n'y a aucune raison que je sois à l'équipe du soir. Donc, je ne peux pas vous parler d'autre chose. Et pour les propos homophobes, moi, j'en sais rien. En tout cas, il ne m'en a jamais tenu, Gilles, et c'est quelqu'un que j'apprécie et ça m'étonnerait fortement.